Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends. On joue Dire Jungle. On est avec une Cassio, un Zed, une Caitlyn, un Thresh, contre Darius, Yveline, Lux, Jinx et Nautilus. Bon, match-up contre une Yveline. J'ai hésité sur le pick. Je pensais jouer peut-être du Tryndamere ou du Hecarim. Et puis, quand j'ai vu que mes alliés partaient sur beaucoup, beaucoup de dégâts, je me suis dit qu'un Udyr qui peut stun, ça pourrait quand même être pratique. Donc j'ai piqué Udyr. La Lux, je crois qu'elle est peut-être smurf en face, mais c'est pas sûr. Elle a 75% de win rate, mais sur un nombre de parties pas énorme, donc je sais pas trop. Il faut juste que je me méfie. Va juste le dire aux alliés pour qu'ils fassent gaffe. Peut-être essayer de la perma du coup, si c'est le cas. Lux, ça peut quand même tomber. Un petit flash stun, ça va très vite. En plus, Cassio, c'est vraiment. Ah non, c'est une Cassio top qu'on a, pardon. Ce sera Zed mid. À la limite, j'aurais préféré une Cassio pour suivre sur un stun. Je pense que Cassio Udyr, pas mal de synergie sur les ganks. Avec Zed, c'est un peu moins flagrant, mais bon, dans tous les cas, ça peut faire des trucs stylés. Ce serait bien qu'il donne pas un kill pour commencer. Ok, je pense que je vais aller choper le raid directement après mon bleu. Yveline qui remonte. Peut-être vers son raid du coup. Ah, ça m'embête. Je l'ai vu passer au mid. Ça commence quand même pas au raid, Evelyn. Oh, bah, peut-être que si. Bon, bah du coup, comme elle a l'air de se diriger vers le raid, je vais pas essayer de lui prendre. Sinon, j'aurai rush juste après mon bleu. Hop, merci Cassio. Bon, a priori, du coup, j'ai toujours mon raid. Bon, je vais faire un clean classique sans rien de fou. Hop là, toujours attentif aux petites mécaniques pour faire un clean rapide et maintenir un taux de PV assez élevé. Tac. Ok, bon, va falloir que je la stite un peu quand même là. C'est pas terrible. Bon, c'était pas ultra propre sur ce camp. C'est pas grave. J'ai toujours mon bleu, tout va bien. Je vais quand même vérifier qu'on n'ait pas une petite Evelyne qui se balade par là. Je suis un peu short en mana en vrai. Hein. Malgré le bleu, Udyr ça bouffe vraiment du mana. Même avec le bleu là, je viens de me faire. J'ai perdu un timing sur mon passif à cause de ça. C'est vraiment. Ça consomme. Hein. Surtout en début de partie, c'est assez impressionnant. Essayer de venir bot. Est-ce que je peux avoir de la vision sur quelqu'un? Là, je suis vu. Effectivement, ça aide pas à faire des ganks. Peut-être récupérer un petit carapateur. Oui. En vrai. Ok, ce serait vraiment bien que ça survive au top. Ah, quel dommage. Quel dommage. Non mais son bleu, elle l'a fait, hein. En théorie, elle l'a fait, hein. Je vais aller voir. J'ai hésité, hein, dès quand je l'ai vu top, aller check son bleu, mais bon, normalement, level 4. Après, c'est vrai que j'ai 12 de farm de plus qu'elle, donc c'est pas impossible qu'il y ait encore son bleu, effectivement. Je vais aller voir ça tout de suite. Je vais aussi essayer de caler une pink. Je pense que je peux me permettre de lâcher un peu de mana pour y être plus vite.
Effectivement, hein. Alors, je vais l'engager. Smite à 450 dessus, hop, je vais le faire. Et comme ça, bah là, je me mets plutôt bien. J'aurais pu essayer de grid le reste de la jungle. Je vais plutôt aller caler une petite ward par ici. Et je vais essayer de la catch en fait. J'espère que je suis pas vu, là j'ai un petit doute. En vrai, elle vient toujours pas prendre sa jungle, c'est assez bizarre. Mais du coup, je vais me faire plaisir. Je pense que je vais aller faire un Drake en vrai. C'est assez tentant de venir bot. Mais je suis pas sûr que je puisse faire quelque chose si j'y vais. Alors que... Je vais tenter le break en vrai. Ah, non, elle est là. Autant pour moi. Non, c'est peut-être un peu trop risqué. What? C'est une blague énorme ça ou... Normalement elle ne peut rien me faire mais je suis en train de me poser la question là. J'ai fait de la merde, j'ai tellement pas été bon. En fait le cold Drake était à chier déjà, puis j'ai très très mal réagi contre Evelynn. Et là j'ai servi à rien, donc c'était nul. J'ai été un peu déconcerté par le perso, je comprends pas trop les mécaniques, enfin je les connais pas bien. Et bon, bah c'est un peu de la merde du coup. Parce que je l'avais mis au fond sur le farm, et là du coup elle récupère des kills. Je pouvais même pas dev bot, hein, là je suis trop derrière, il me redive sans aucun souci. J'aurais dû, dès que je l'ai vu en fait, la flash in, puis tout mettre dessus. Ça aurait été bien mieux. Bon, du coup je suis un peu mal là. Il faudrait que je prenne la vision sur le Drake. Bah, il faut que j'y aille en vrai. Hein. Smite à 480, en vrai il faut le faire. Hein. Voilà bon, on s'en sort bien. Je suis un peu déçu hein, de l'interaction au bot là. Je trouve que j'ai pas trop assuré. Il faudrait que j'aille top en vrai. Hein. Faudrait vraiment que j'aille top, hein. J'ai bien compris qu'il y avait moyen de faire un truc sur le Darius. Allez, je vais venir. J'espère que je serai là assez vite. Je vais y aller direct, je pense. Ah oui, je rêve où elle vient de flash in. J'ai pas trop compris là. Allez, c'est rare que je fasse ça, mais je prends aucun farm. Voilà, je vais y aller pour y être plus vite, mais au final, bah, ça sert à rien. C'est pour ça que je fais rarement ça, parce que le temps que je traverse la map, bah en fait, je perds juste un temps énorme de farm. Et là, du coup, ça me met un peu dans la merde. On a la botlane qui est en train de se feeder. C'est... Bon, bah, c'est... Ça va être très chaud, hein. C'est dommage parce que j'ai vraiment essayé de, bah d'empêcher Evelynn de jouer en lui prenant tout son farm, et comme elle a pris des kills sur les lanes et qu'on a une bot qui est en train de snowball, bah au final bah je m'en sors pas trop bien. Elle est bien dans sa game malgré tout et j'ai pas pu faire les dégâts que j'aurais voulu. Et puis sur les interactions en lane, j'ai été plus spectateur qu'autre chose, j'ai pas du tout réussi à peser comme j'aurais voulu. En plus j'ai ma souris qui bug, c'est super agréable, j'ai vraiment besoin de ça là. Bon, allez, on va essayer de pas se démonter. C'est pas fini pour autant, on a quand même eu le Drake. Mais... je sais pas trop comment on va remonter ça, il faudrait vraiment que j'arrive à faire un truc au bot. Le truc c'est que là j'ai beaucoup de gold, il faudrait que je suisse back. Ok, ça c'était plutôt bien joué. Elle se prend vraiment un baby sit au top par contre. Allez, là, il a Jinx, il faut qu'elle tombe. Je sais pas si on peut y aller. Allez, on vient avec moi, les potes, s'il vous plaît. Voilà. On va
essayer de remonter tout ça. Alors bon, c'est moi qui ai pris les kills, je sais pas s'il aurait mieux valu que ce soit notre AD carry, mais... Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils font, ils jouent un peu bizarrement, je me dis peut-être que c'est pas plus mal que ce soit moi qui les ai. Mais il faut vraiment que je puisse aller peser sur la top lane. Je vais essayer de reprendre encore le bleu là. Normalement je peux... Ok, elle est là. Mais en vrai... Je vais la tomber la petite folle là. What? Elle a une TP comme ça, genre c'est gratos quoi. Mais pourquoi? Elle se téléporte à 10 000 km de moi, bon, c'est très agréable. J'adore vraiment jouer contre ça, c'est un plaisir. Bon, il faudrait que je me renseigne un peu sur le perso, là je suis un peu déçu. Genre elle peut escape des fights comme ça, genre ça lui coûte rien, je sais pas, c'est bizarre. Elle a 3 fois la portée du flash sur un sort. Bon bref, ça sert à rien que je dise ça dans le vide, il faudra que je lise le perso ce qu'il fait. Mais je suis un peu déçu. J'avais dit que j'essayerais d'être présent sur la Lux, mais j'ai l'impression que là il y a tellement toutes les lanes qui sont en train de se faire crush, enfin surtout la bot, j'ai pas la liberté d'aller agir là où je veux. Et là j'ai 3200 gold, il faut vraiment que je back, hein, ce serait con de rester. Tac, ok, là j'ai un bon stuff et je vais venir top parce que depuis tout à l'heure il y a l'opportunité de faire un truc, c'est push. Mais il faudrait aussi que je sois au bot. Oh là là, c'est Jinx 4-1. Bon, elle arrive quand même à avoir un peu de farm la Caitlyn, c'est pas mal. Cette fois-ci, je vais prendre mon clean avant, parce que tout à l'heure, je suis venu sur la top lane pour rien, et au final, ça m'a pas du tout servi. Donc dans le doute, je prends quand même mon farm au passage, histoire de pas me retrouver en retard. Carapateur et... Ouais, ok, j'arrive. Oh putain. Toi, tu vas pas passer ta vie à courir, toi. Hein. Je te le dis tout de suite. Bon. Est-ce que je push la lane? En vrai, bon, je pense que ce serait pas ultra smart. Il vaut mieux que je back et que je rush le Drake. Bon, je fais ce que je peux, hein, mais cette partie, c'est pas évident. C'est à la fois, moi, j'essaye vraiment de bien faire, mais je sens que je manque des opportunités. C'est assez frustrant. Et surtout que, en fait, je pourrais faire beaucoup de choses, mais à chaque fois, il crève avant que j'arrive, quoi. Il suffirait juste qu'il tienne un tout petit peu les lanes qui joue safe, et moi, je peux snowball et tout écraser, mais à chaque fois, ils se font péter, quoi. La botlane à 0-5, quoi. C'est surtout que c'est pas comme s'ils y perdaient, parce qu'il y avait la Evelynn, elle était permatop. Ils ont juste perdu en 2v2 leur lane, et ils se font écraser. Et même en leur faisant un gank, ça suffit pas. Alors, j'ai pas... Je vais tenter le Drake en vrai. Je sais que c'est archi greedy parce que j'ai absolument zéro vision, mais quand on est autant derrière comme ça, c'est en tentant des choses risquées qu'on peut remonter. Parce que là, si on fait cette game en jouant en safe, voilà, j'ai bien fait de prendre le risque. Si je prends pas des petits risques comme ça, ça sera impossible à remonter cette partie, parce que mes mates ont fait trop n'importe quoi. Bon, c'est pas mal. Au niveau des objectifs, j'ai plutôt une bonne domination de la partie, là. Il va falloir que j'essaie de revenir au bot aussi vite que possible. Mais là, le babysit top de la Evelynn est assez incroyable. Mais limite, je suis pas sûr que ça va vraiment payer pour eux, parce qu'au final, Cassu, elle joue pas trop mal, elle arrive à outfarm le Darius. Ce serait bien que j'arrive aussi à aller prendre les raids d'Evelynn. Mon raid, il est dans quoi? 10 secondes, je vais le prendre. Je vais essayer de venir bot ou top. Tralala, ils sont... Elle est partout, Evelynn, hein, c'est incroyable. Hein. C'est pas l'envie d'aider mes potes qui me manquent, hein, vraiment, hein, mais là, ça fait quand même beaucoup. Enfin, moi, je suis pas vu, là, on est d'accord. Hein. Je vais me faire bait. Genre, je voulais sidestep. Je sais pas comment j'ai pu ne pas le faire. Bon. J'ai l'impression que j'ai même pas pu caler le stun.
Là, mécaniquement, j'ai pas été bon. J'aurais dû la tuer 100 fois, Evelynn. Je crois que j'ai changé de posture avant de la stun. Elle aurait dû prendre stun, tigre, Tiamat, et après, je me mettais en tortue et je l'ai pété. Mais là, ils ont fait trop n'importe quoi. Hein. Je lui mets 40 de farm à Evelynn. Hein. J'ai autant de kills qu'elle. Enfin, j'en avais même un de plus avant. Normalement, on avait un, je l'explose. Hein. C'est juste que là, j'ai tout chill contre Lux et je me suis fait prendre après. Vas-y Cassio, s'il te plaît, vends-nous du rêve. Tu peux le faire. GG. Ah, ça me fait chier d'avoir une Evelynn comme ça alors que j'ai éclaté sa jungle qui se met trop bien. C'est très frustrant. Bon, notre Cassio est bonne. Notre Z, il a l'air de faire preuve de bonne volonté. Je pense que ça peut. Je pense que ça peut le faire. Hein. Je pense vraiment que ça peut le faire. Ce qui est chiant, c'est qu'en fait, Evelynn, je devrais pouvoir l'instant shot dès que je la croise, et maintenant elle a pris tellement d'avance que je vais même plus pouvoir en fait. J'ai bien envie qu'on tente un truc sur la Lux. Hein. Faudrait juste qu'il arrive à bait. Ok, la flash. J'ai hésité à flash in, mais peut-être plus rentable de flash Eve. Quand même, hein. Je me suis dit, je vais quand même pas lui courir après sans la péter. Oh, ça fait du bien. Hein. Ah, bon, on se prend une bot lane. Génial. Je me régène comme je peux. Ah oui, d'accord, c'est la fête complète, là. Alors, ouais, le problème, c'est que voilà, là, typiquement, moi, je peux rien faire du tout hein, dans un cas de figure comme ça avec Udyr. Je suis vraiment une plante verte. Hein, je regarde ce qui se passe. Hein, je vais me faire tuer. Voilà. Bon, la prochaine fois j'ai FK farm. Je me dis, je vais pas faire le bâtard à me barrer, mais je peux rien faire. J'aurais pu prendre je sais pas, la tour top quoi. Je suis trop con en vrai. Je devrais me dire, allez, j'en ai rien à secouer de ce qui se passe et je vais faire ma vie parce que je sers à rien dans un cas de figure comme ça. Je le sais et j'y vais quand même parce que je veux me donner bonne conscience et je veux pas faire le mec qui s'en fout, mais je sers à rien quoi. J'ai pas été bon là. Faudrait pas que j'hésite à me barrer, mais à les laisser perdre leur tourelle, à fight en 4v5, mais... Là, je sais d'avance que je peux rien faire dans un cas de figure comme ça, et j'y vais quand même. Bon, allez, on va essayer de... J'allais dire de rush le Drake, mais peut-être qu'il faudrait quand même que j'aille avec eux, là. En vrai, il faut que j'y aille, là. Je pense que... Je pense qu'il y a moyen de les retourner un petit peu. On a le Darius qui est au bot. Go, là, non? Ah bah oui. Quel plaisir ce champion. Là il va y avoir un Drake en fait. Je pense que il faut que j'aille au Drake. Faudrait une pink. Là j'ai un petit souci de vision là. En vrai je vais test. Je pense qu'ils vont back. Par contre il faut pas me laisser tout seul. Hein. Je pense que là ils se disent qu'ils ont plein de gold et qu'il faut qu'ils back. Donc à mon avis il y a moyen que le Drake passe. Ok ça c'est vraiment bien. En vrai j'ai eu tous les Drakes. Hein, malgré le fait que ce soit compliqué cette partie. Ouais, c'est chaud 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 hein. Ah la Cassio qui joue bien. Vraiment ça va faire une énorme différence pour la partie, c'est vraiment chouette. Une bonne Cassio, il faudrait que j'arrive à choper la Jinx là. Le problème c'est qu'en fait contre un perso comme ça, sans flash in, je suis un peu démuni. Je vais essayer d'aller top en espérant que je puisse être là à temps pour faire quelque chose et les aider un petit peu. Mais oh c'était bien ça. Est-ce qu'on peut pas cacher la petite Lux là? Oh, j'ai envie d'y aller en vrai. Ok je suis tout seul. Je suis complètement tout seul. Bon c'était pas wardé mais là ce serait clairement trop. Ce serait du grid. Est-ce qu'on a le temps de faire le Herald? On a pas longtemps hein. Il nous reste 20 secondes.
Mais je pense qu'à 3. 680 le smite. Ouais, nickel. Juste avant qu'il dépop, peut-être que j'irai le claquer au top ou ailleurs en split. Je verrai les opportunités qui se présentent. Pour l'instant, je vais le garder. Je vais partir sur de la res magique assez vite parce que les Evelyn, elles me traumatisent un peu là. C'est pas mal, hein. On manque de vision, on manque de vision, on manque de vision. Mais c'est une blague. C'est vraiment ça ma vie en fait, c'est de me faire éclater comme ça. C'est horrible, horrible cette game. Je mets tout sur la luxe, normalement elle devrait tomber instant, mais je sais pas. Ils jouent toujours à 5 et nous on est là à se faire ouvrir les uns les autres. C'est assez scandaleux ce qui se passe. Bon, je passe en mode full split push. J'essaie plus du tout de jouer avec la team, je vais juste essayer d'aller prendre les tours et de courir. Parce que là je peux plus. Psychologiquement c'est trop dur de se prendre ça dans la gueule alors que je suis censé être fed en fait, mais bah, contre ce genre de truc, je peux rien faire tout simplement. Je peux rien faire. Allez, je m'y tiens, hein, je m'en fous, je vais farmer, je vais push les lanes. C'est pas du troll, hein, c'est vraiment, je pense que c'est la meilleure manière de faire des trucs. Ok, j'ai rien dit, quoi de replay, c'est fini de toute façon. C'est game over. Je vais essayer d'aller faire un truc au top si possible, mais... Là, je peux pas défendre en fait contre ça. Hein. Pas de la mauvaise foi les potes, mais... Je ne peux rien faire, hein. Jinx qui est fed, mais à un point assez ridicule. Pas de raid, oh, je suis déçu. Tous les coups, j'aurais même pas le temps de prendre la tour. Ah, ils vont def. Hein. Je suis déçu. Ah oui, je vais rien choper du tout. Tous les coups, ils vont réussir à crever contre Evelyn. Allez, il faut vraiment qu'on arrive à prendre les objectifs là. Ok, GG. GG, GG. Ça, je pense que ça peut tomber. Mais pourquoi je me prends... A chaque fois, je me prends toutes les cages en pleine gueule, mais... C'est vraiment ridicule. Quand tu veux, tu mets ton stun, mon petit Udyr. Là, on va se faire retourner, je pense, hein, par contre. Allez, je vais farmer, je vais split. Hein. J'ai dit, je fais plus que ça maintenant. J'essaye même plus. Je pense sincèrement que c'est la meilleure manière de faire des trucs. Hein. Il faut que je puisse rush de l'armure pour pouvoir m'occuper de la Jinx. Ok, à chaque fois... En fait, il joue vachement bien en team alors que nous, on est tout le temps un peu éclaté n'importe comment. J'aurais été chaud de faire un truc là, mais j'ai pas de vision sur le reste en fait, ça me fait un peu peur. Voilà, ils vont arriver en flanque. À partir de là, bon, de toute façon, je l'ai dit, je le fais. Hein. J'essaye même pas de me battre là-dedans, dans ce merdier. À part crever comme une daube, je vais rien faire. Je vais aller faire le Drake. En espérant que ça puisse passer, même si j'en doute très fortement. Ce sera toujours mieux que de donner un kill sans placer un seul stun. Je vais quand même back là. Non, je vais prendre le carapateur avant. C'est frustrant en vrai. Hein. Mais non, on se rend pas. Il suffit juste de... On éclate Jinx et c'est fini en fait. Hein. Après, il n'y a plus rien en face. Hein. Suffit qu'on def. Le problème, c'est que moi, du coup, j'ai rush la résistance magique pour pouvoir faire face à Evelyn. Et j'ai à peine fini mon visage spirituel qu'on a déjà un AD carry qui est complètement fed. Donc en termes d'itemisation, c'est un peu compliqué, quoi. Allez, là, en vrai, si on def, on peut prendre tellement de farm.
des inhibiteurs qui sont pris sans finir la partie, ça fait une... Ça donne vraiment beaucoup, beaucoup de ressources. Genre, j'ai pas le lastite du gros, je suis déçu. Allez, ils en ont tué un. Allez, maintenant je vais back, je vais prendre de l'armure. Faut pas que je me retrouve tout seul, il faut qu'on arrive à défendre. C'est très très chaud, hein. Franchement là. Ok, il faut arriver à choper la Jinx. Elle est peut-être tout seule, alors je sais pas si c'est un bait, mais je vais y aller. Que ce soit un bait ou pas, moi je fonce. Hop. Allez, en vrai, je pense qu'on devrait presque tenter le Nash. Hein. Je pense que là, encore une fois, hein, comme tout à l'heure, c'est pas du tout dit qu'on puisse le faire. Mais si on prend pas de risque, en fait, voilà, je pense que ça va être chaud quand même. Hein. Ah. Bon, voilà. Ah, mais pourquoi j'arrive à tous me les prendre, les trucs comme ça, là, les cages, je me les bouffe toutes. Non! Ouais. Je n'ai pas su. J'ai voulu jouer au plus malin, mais là, au bout d'un moment, bon. Il y a des limites à ce que je peux faire, hein, je suis désolé. C'est parti, je sais pas ce qui s'est passé. Cassio, elle avait l'air de bien jouer, mais elle est à 2-5. J'ai l'impression que tous mes ennemis, ils ont pas eu de team, quoi. C'est frustrant, hein. J'ai vraiment essayé, hein, je vous promets que j'ai essayé, mais... Je pense que là, sur la fight, j'aurais juste dû rester un peu plus focus sur le Nash, laisser le Nautilus partir et terminer le Nash en speed. J'aurais bien de l'avoir, mais même avec ça, c'est pas du tout dit que ça aurait changé quelque chose, quoi, mais... Je sais pas pourquoi ça se... Des fois, il y a des games comme ça, bon, ça arrive. Hein. Allez, je mets de l'honneur à Cassio parce que je suis un mec sympa, mais... C'était éprouvant, cette partie, nerveusement. En fait, c'est frustrant parce que je me dis... Bah, il aurait juste suffi que les gens jouent un tout petit peu safe et c'était dans la poche. J'étais en train de snowball, genre vraiment vénère. Soit on voit les golds, hein. J'ai 50% de gold de plus que le deuxième, quoi, concrètement. Mais là, j'étais parti pour écraser la game, mais juste, il aurait juste fallu qu'il donne pas des kills, en fait. C'est juste ça, quoi. Qu'il n'y ait pas un jungler en face qui prenne un milliard de kills alors qu'il avait pas de farm, et puis une botlane qui prenne pareil et qui se retrouve à 10-0. C'est un peu frustrant. Alors je sais bien que moi, de mon côté, il y avait beaucoup de choses où j'aurais pu mieux jouer, hein, comme toujours. Hein. Je rejette pas la faute sur les autres. Mais c'est juste que bah, il aurait juste suffi que ce soit un tout petit peu moins joué à l'arrache par les alliés. Et c'était tranquille, quoi. C'est un peu frustrant. Bref, bon, ça fait partie du jeu. Moi, je regarderai ça quand même pour voir sur quel point j'aurais pu être plus efficace. Et voilà, il faut accepter ce genre de défaite. Je pense que la partie est quand même intéressante, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner, sachez que j'organise mes vidéos en playlist. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.